ma coquine, j'ai rangé mon frigo aujourd'hui et j'ai vu que j'avais des légumes qui fatiguaient. Alors je me suis dit, je vais faire une petite crème de légumes à ma façon, avec une petite technique particulière qui change de d'habitude quand on fait une soupe. Alors pour ça, il te faut donc un peu tous les légumes que tu veux. Moi j'ai un poireau ici, j'ai quatre carottes, un oignon nouveau, deux courgettes, une tomate. Tu auras besoin un peu de coriandre fraîche pour la finition, de l'huile d'olive, du beurre et environ 500 grammes de crème liquide. Allez, on y va. On lave les légumes, on les épluche et c'est parti pour le taillage. Une fois que tu as lavé et épluché tes légumes, mon gourmand, on y va pour le taillage. J'allais oublier la petite serviette encore. La serviette, putain, je veux pas te le dire tous les jours, merde! La petite serviette pour bloquer la planche, bien évidemment. La planche. Voilà. Le pétard 5 étoiles à papa, oui monsieur, et on y va. On taille les légumes. Hop, les courgettes en deux. Allez. Taille des. J'ai besoin d'avoir une taille bien précise pour pouvoir faire ça. Voilà. Hop, à côté, t'as ton petit récipient. Voilà. L'autre. Et tu fais pareil avec le reste. Hein. Je te fais un accéléré parce que sinon on va y passer la nuit là. Allez, c'est parti mon kiki. Wouh! Allez mon gourmand, on en est là. On a mis la gamelle sur le feu. Un fond d'huile d'olive. On va rajouter notre beurre. Comme ça. Et en fait, ma technique, en fait, elle consiste à faire accrocher un peu les légumes. Avant de mettre de l'eau pour faire cuire les légumes, comme on fait d'habitude dans une soupe. Et ben moi je les fais colorer dans ma petite marmite avec de l'huile d'olive et un peu de beurre, tu vois. Il faut vraiment qu'ils soient colorés, faut pas hésiter à les faire colorer. Limite un peu grillé, tu vois. Tu verras, ça va vraiment changer le goût. Ça va être différent. Alors on attend que les beurres soient fondus. Ça ira. Et là tu balances tous tes légumes. Et là, c'est parti. Ils vont d'abord rendre un peu d'eau et puis après ils vont commencer un peu à colorer. Et une fois qu'ils seront bien colorés, et ben on pourra mouiller. Voilà ma coquine. À toutes, bisous ou. Voilà ma coquine. Bon tu vois, nos légumes, ils ont bien coloré. Je sais pas si ça arrive à voir. Attends, bouge pas. Je sais pas si ça arrive à voir. Voilà. On change le mode de vue aujourd'hui. Tu vois, les légumes, ils ont bien compoté. Bien coloré. Et là, on va rajouter l'eau et la crème. Bon, je t'ai fait un petit plan large pour te montrer un peu le compotage des légumes. Une fois qu'on en est là, eh ben, on met de l'eau à quasi hauteur des légumes. Tu vois. Hop, on va remonter. Moi, je remonte un petit peu le feu à partir de maintenant. Hop, après, je te mets un peu de crème liquide. Voilà. Hop. Nickel. N'oubliera pas de mettre un peu de sel pour l'assaisonnement. Ouais, parce que tu te demandais c'est quand qu'il met le sel, Roro, il met le sel quand. Donc tu le mets avant de couvrir tout ça. Donc là, étant donné que les légumes ils ont quand même pas mal cuit avec le fait de les avoir marqués un petit peu et de les avoir fait colorer. Donc là ça va aller relativement vite. Donc là une fois que tu es comme ça, tu racles bien sur les côtés. Et tu lui fermes la gueule pendant au moins une vingtaine de minutes. Allez, à la toute, mon coquin. Voilà, mon gourmand. Je pense que c'est bon. On est carré. Attention, on vérifie. 3, 2, 1, décollage. Allez, c'est cuit. Allez, tous les légumes sont cuits. On va tout passer au mixeur plongeant maintenant. Allez, c'est parti, ma coquine. Allez, hop, on y va, ma coquine. Voilà, ta soupe elle est là et on va mixer. C'est parti. C'est
c'est la potion magique de Panoramix. Panoramixeur. Hein. Et là, t'as une crème de légumes, mon petit copain. Crème de légumes, mon cochon. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il fait, on sait pas trop quel temps il fait. Il fait froid, il pleut, il pleut pas. Donc voilà. Là, tu vois. La crème de légumes, elle est bien mixée. Mais il nous manque un ingrédient, ma copine. Si tu as suivi la recette, qu'est-ce qu'il nous manque comme ingrédient? Il nous manque la coriandre. Allez, on effeuille la coriandre. Ça va donner un peu de fraîcheur. Allez, c'est parti. Et voilà. Et voilà mon gourmand. La crème de légumes, elle est terminée. Allez, je te fais des bisous. Bon appétit. Bye, à plus.